Donc incendie sur Basvel, au niveau de la mal tournée. Donc un camion qui est tout là-bas, qui est en train de recharger en eau. Là où se trouve en fait la victime, qui est ici. En fait la toiletteuse de Basvel. C'est pour après leur donner après l'intervention. C'est le gars qui est d'astreinte qui a demandé. Ça leur fait eux des vidéos pour eux. Ça va, elle est pas trop hystérique. Je sais pas. Parce qu'on la connaît. Hein. Vous avez son identité? Donc intervention. Donc elle a mal tourné à Basvel, donc chez la toiletteuse. Et donc le légionnaire qui lui habite ici n'a pas de dégâts, n'a rien, fort heureusement. Au passage, je remercie Jérémy qui était d'astreinte à la caserne de pompiers de Rebais et qui m'a averti donc du problème, et on a pu venir apporter assistance et secourir sur place. Et là on a un gros camion citerne qui arrive, des gros moyens lourds qui arrivent avec une échelle. Donc on commence à avoir un dispositif lourd qui se met en place. Donc il y a des sapeurs-pompiers de Rebais, Vieille Maison, La Ferté-sous-Jouarre. Il y a a priori de Ferrières qui arriveraient. Voilà, donc ma voiture qui est là-bas au bout pour signaler de ralentir. Enfin, elle fait partie des premières voitures à être sur place. Voilà. Et là-bas, donc on a des pompiers qui sont en train de faire le plein d'eau. Et là, on a toujours des fumées qui en sortent. Bon, de lourds dispositifs. Donc il y a encore des pompiers qui vont arriver. La maison de Madame Chazet est malheureusement détruite. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment un lourd dispositif. Voilà, et puis là-bas j'ai la voiture qui a... Voilà. Voilà, donc là ils ont sorti la grande échelle. À mon avis, ils vont soulever des tuiles parce que, comme vous pouvez voir, il y a la cheminée qui fume. Et comme c'est des planchers en bois, il y a de fortes chances que le plancher il est en train de brûler. Vous voyez tout le dispositif. Vous voyez là, que des voitures de pompiers, SAMU, plus le camion là-bas au bout qui est en train de remplir en eau. Voilà, donc... Vous êtes débarrassé là au moins. Vous pouvez noyer. Parce que tout salé, vous pouvez juste aller où elle va aller. Je vais appeler le maire. J'ai appelé le maire. Il faut la reloger après cette bonne femme. C'est la responsabilité de la mairie. Bien sûr. Bon, malheureusement, il y aurait trois chiens qui auraient péri à l'intérieur, dont un chien qui serait d'un client. Donc j'espère qu'elle est bien assurée. À
Ah, mais que pour que pour traite, moi. Voilà, donc il est 22h20 et j'ai été contacté, il devait être 21h30. Et vous faites quoi ce matin ? Donc là, ils aèrent la maison de Aimé, le légionnaire. Et puis, ils ont retrouvé son chat qui est mis dans la caisse. Voilà, donc comme ça, le chat Aimé est en sécurité. Avec le maire qui est toujours présent. Donc là, à l'intérieur, ils sont rentrés pour aérer, pour enlever toutes les fumées. Et puis là, la maison d'Isabelle Chazet qui est pas mal abîmée. Et puis il y a une équipe qui est passée à côté pour voir si tout se passe bien.